Bonjour, bienvenue sur Style et Inspiration. Sur Style et Inspiration, je vous parle de toutes ces choses qui inspirent mon style. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un accessoire. Il s'agit du harnais. C'est quoi le harnais? Par définition, le harnais est un équipement qui permet de s'attacher ou d'atteler un animal comme le chien ou le cheval. Son origine remonte au Moyen Âge, où il était utilisé par les hommes pour tirer de l'eau de charge. C'est en 1970 qu'il a été détourné de son rôle principal et récupéré par le groupe Sadomaso et Gay pour devenir un véritable accessoire sexuel. Au fil du temps, il s'ouvrira à d'autres communautés telles que ceux des punks qu'il adopte et deviendra l'un de leurs accessoires favoris. Tel est le cas de la créatrice de mode Vivienne Westwood qui en véritable punk s'y intéresse. Cela paraît tellement évident vu que le harnais a la particularité de structurer n'importe quel vêtement. Beaucoup de créateurs se l'approprient en le réinventant, ce qui fera naître plusieurs modèles et couleurs de plus en plus étonnants et splendides lors des défilés de mode. Sur les tapis rouges, on le verra porté par des stars qui l'assument fièrement, améliorant ainsi sa réputation. En cuir, en lycra ou en plastique, la ceinture harnais se décline en plusieurs groupes, car certains harnais sont destinés à certaines parties du corps humain. On retrouve ainsi des harnais destinés au haut du corps, tels que le cou, le buste, les bras et même la tête. Aussi des harnais destinés au bas du corps, tels que les fesses, les cuisses, les jambes et même les pieds. Certaines ceintures harnais sont combinées de telle sorte qu'elles se destinent à plusieurs parties du corps en même temps. La ceinture harnais se porte sous ou sur un vêtement. Portée sous, il va falloir que ce vêtement ait certaines ouvertures pour laisser entrevoir une partie ou totalement le harnais si le vêtement est transparent. Portée sur, la ceinture harnais peut se mettre sur n'importe quel vêtement, sur une veste, une robe, une chemise, un top, n'importe quoi, car c'est un accessoire passe-partout. Cependant, le harnais reste une pièce difficile à assumer vu ses antécédents sociaux et les préjugés qui lui sont attachés. Malgré tout, il reste et restera un accessoire mythique de la mode, une pièce majeure pour tous ceux qui aiment se démarquer et veulent avoir un style particulier. Il vous suffit juste de l'aborder et l'assumer, car tout dépend de l'esprit que l'on veut attribuer ou non à un vêtement ou à un accessoire mode. Le harnais, c'est l'accessoire en vogue. Pour plus d'inspiration, je vous invite à faire un tour sur ma page Pinterest. Sur cette page, j'ai un tableau spécial harnais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye et à la prochaine fois sur Style et Inspiration.